se réveiller et j'ai été regarder mon stockage pour voir si je pouvais faire la vidéo d'aujourd'hui du coup. J'ai regardé et d'habitude j'ai toujours genre 63 sur 64 enfin du coup j'ai toujours qu'un giga disponible ou même pas un giga. Et là j'ai été voir, j'avais 32 sur 64. Genre qu'est-ce qui arrive? Mon portable a enfin peut-être compris que j'avais supprimé absolument toutes mes photos et que du coup j'avais grave du stockage. Mais du coup c'est trop bien, ça veut dire que je vais pouvoir filmer une vidéo et parler et faire une vidéo longue. Je vais pouvoir filmer plein de moments où je parle etc, ce que je ne peux pas faire d'habitude parce que je n'ai jamais de stockage. C'était la petite bonne nouvelle de la matinée. J'ai décidé du coup hier soir comme ça de filmer. Je me suis dit que j'allais vous filmer un peu quelques jours dans ma semaine de fac, enfin du coup dans ma semaine à l'université. Et plus particulièrement vous parler de ma méthode parce que c'est des trucs qu'on m'a souvent demandé, mes fournitures etc, genre moi un truc back to school, parce que je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo j'avais pas du tout abordé cette partie, genre j'avais juste filmé des jours dans ma semaine mais j'avais pas du tout parlé de mes fournitures, de ma méthode à la fac etc. Pour ceux que ça n'intéresse pas vraiment, ne vous inquiétez pas parce que ça va être un vlog, c'est juste qu'à des moments je vais parler de ça, mais en tout cas j'essaierai de mettre une time lapse, je crois que ça s'appelle, pour que vous puissiez voir les moments qui vous intéressent le plus dans la vidéo et vous passez directement au moment qui vous intéresse le plus. Du coup voilà, dans ce vlog je vais un peu vous montrer tout ce qui est mes fournitures. Bon, en vrai j'ai pas grand chose, tout ce qui est méthode à la fac, mes journées à la fac etc, genre comment s'organise mes journées, même si c'est pas très représentatif pour l'instant parce que j'ai seulement 2-3 heures de cours par jour, étant donné que j'ai pas encore les TD, j'ai pas encore les options etc. Là par exemple je fais 10h midi mais ça ne sera jamais ça au cours de l'année, genre j'aurai jamais 10h midi, c'est impossible. Bah voilà, je vais vous emmener dans ma journée avec moi, même dans mes journées avec moi, parce que je vais vous emmener plusieurs jours à la fac avec moi. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vais aller préparer mes affaires parce que mine de rien il est déjà 9h20 et j'ai cours à 10h. Donc du coup je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac. Et d'ailleurs je vais vous montrer mon sac de cours parce que du coup il est nouveau. Par contre j'ai mis le grand angle arrière parce que je peux plus voir ma tête. Parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai fait mon opération des grandes sagesses, je suis plus gonflée comme au début, mais je suis encore gonflée dans le sens où genre là ça se voit pas, genre si tu me connais pas tu sais pas que je suis gonflée, mais moi vu que je me vois tous les jours je sais que je suis gonflée et je supporte pas d'être gonflée du visage comme ça. Je vais juste essayer de pas me regarder, ça va être compliqué avec le montage. Mais voilà, du coup c'est pas ma tête normale, hein. Vraiment je suis vraiment hyper gonflée. Voilà. Petite aparté qui n'a servi absolument rien. On va faire mon sac ensemble, ça va me permettre de vous montrer ce que je mets un peu globalement dans mon sac et de vous montrer aussi mon sac parce que vraiment il est incroyable. Je l'ai trouvé en Espagne, dans une petite boutique espagnole. J'ai vraiment flashé sur cet exemplaire. C'était que des pièces uniques, genre il y avait que cet exemplaire, il y avait que ce sac par exemple, il n'y avait pas deux comme ça. Il est en cuir et j'aime bien, moi ce que j'aime bien c'est le côté vintage du sac. Par contre c'est un peu chiant parce que vous voyez il n'y a pas assez de hauteur entre la hanse et le sac. Mais sinon il est vraiment très bien dedans, bon c'est un peu le bordel. Il a des petites pochettes et tout, donc c'est hyper pratique. Je sais pas si on peut vraiment le retrouver parce que je sais que bah du coup il y avait vraiment que lui et il y avait un autre coloris mais en noir, enfin il y avait que lui quoi. Mais ce que j'adore aussi c'est le fait que bah en fait c'est qu'il y a que moi qui l'a globalement. Et c'est pas un sac de marque par exemple que tout le monde peut avoir etc. Ça moi je préfère avoir des belles pièces comme ça. En vrai il m'a pas coûté si cher que ça pour voir que vraiment c'est un sac qui est fait en cuir. Genre c'est la dame qui le faisait et tout. J'ai oublié de préciser, il a aussi des pochettes à l'arrière. Je trouve que c'est trop pratique d'avoir des sacs comme ça où tu sais t'as pas que le sac. T'as vraiment des petites pochettes de partout. Bref, faut que je me dépêche là parce que j'arrête pas de parler. Pour ce qui est de l'organisation de mon sac, mon indispensable, prendre mes AirPods. Ah, ils ont plus de batterie. Si. Prendre mes AirPods, mais dans les petites pochettes comme ça. Mes clés, donc je les ai déjà dedans. Toujours une gourde, parce que je sais pas, je sais jamais, j'ai tout le temps soif en plus. Bah le truc à avoir vraiment, mon ordinateur, moi je sais que j'ai celui-là. Je vous avais dit la dernière que j'avais changé, puisque le mien m'avait lâché, avec ma housse d'ordinateur. Et des lunettes, voilà, vraiment quand je vous dis que je mets rien dans mon sac, c'est vraiment que je mets rien du tout. J'ai aucune fourniture scolaire, si ce n'est un trieur, mon sac est prêt. Après il est pas très très grand, donc en soi je peux pas non plus voir mes trucs. Des fois je prends aussi un code quand j'en ai besoin, mais là en l'occurrence j'en ai pas besoin. Voilà, c'est vraiment tout ce que je mets dans mon sac. C'est très simple, mais je prends juste les choses qui me sont utiles, parce que flemme de porter un truc de 10 kg pendant 15 minutes. Je vais y aller parce que mine de rien, il est 28. Pour moi je peux prendre mon temps et tout sur la route. Je vous ai dit que je prenais des AirPods dans mon sac et c'est pour écouter sur la route, genre tout ce qui est podcast etc. Je sais qu'en ce moment j'aime bien écouter les actus du jour de Hugo Décrypte, voilà, très basique. Mais je sais pas, j'aime bien, au moins je suis un peu au courant de l'actualité sans forcément regarder les JT etc. C'est un bon tips d'ailleurs pour ceux qui veulent être au courant de l'actualité, s'informer etc. Qui n'aiment pas non plus comme moi tout ce qui est genre JT de 20h etc. Genre ça je regarde jamais. Là j'y vais, je vais aller mettre mes chaussures et j'hésitais à remettre mes ballerines parce que ma mère m'a acheté des mi-bas pour pouvoir mettre mes ballerines, sauf que en fait j'ai trop peur que ça me fasse vraiment mal, donc j'ai pas envie de passer 2 heures en ayant mal aux pieds. Du coup je pense que je vais essayer de m'entraîner à marcher avec chez moi, vraiment c'est très ridicule. Après je mettrai pour aller en cours, voilà. Bref.
sans transition, on se retrouve sur un déménagement. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'aimerais bien avoir une chambre beaucoup plus épurée et je suis en train de me demander si je vais pas enlever ça, genre tout ranger du coup dans mon armoire en haut et enlever tous ces habits et du coup bah enlever le portant d'ici. Parce que je trouve que ça fait un peu sombre, genre ça a sombré la pièce, je sais pas comment faire. Je pense que je vais faire ça, puis ça fera un espace un peu plus lumineux et tout, et je vais plus mettre en avant plantes et tout, enfin... Genre je vais essayer du coup de revoir un peu la déco et aussi de bien ranger ma chambre avant de bien reprendre. Parce que là je me dis en vrai j'ai grave le temps, genre là pour l'instant j'ai du temps, donc autant en profiter avant d'être débordée par le travail. Je viens juste de finir à l'instant, je vais vous montrer le résultat final. Ça donne ça. Je trouve que là, ça fait un peu vide et c'est logique. Par rapport à là, faudrait peut-être que genre je mette des trucs qu'il y a là, là. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Avec le bureau, ça donne ça. Et là, après, du coup, j'ai mis tous les trucs qui me servaient pas forcément. Que je dois quand même garder parce que je vais pas les ramener chez moi. Et après, on re-arrive là sur mon lit. Et voilà. J'ai changé, je pense que ça fait mieux comme ça. Ce poster-là, vraiment, je sais pas trop quoi en penser. Mais après, tous mes murs sont blancs, donc je me dis que ça avait un peu de décoration, moi. Bon, je suis avachie sur mon lit parce que j'ai plus du tout de batterie. Et là, il est temps que je reprenne mon cours parce qu'il est 16h. Donc oui, il est vraiment temps que je reprenne mon cours de ce matin. Donc c'était un cours sur les grands systèmes juridiques. Et je voulais vous montrer justement par rapport à ma méthode. Cette année, j'essaie de reprendre mes cours de manière régulière. Enfin, je le fais tous les ans, ça. Mais cette année, je vais essayer de le faire tous les soirs. Bon, je pense que je vais tenir, mais... On va essayer de se motiver. En fait, j'ai trouvé pour le coup une nouvelle méthode cette année. En reprenant mon cours, je me fais un espèce de petit résumé à chaque fin de cours. Je vais vous montrer. Attendez, du coup, je cache pour des raisons de propriété intellectuelle. Mais en gros, je me fais un petit résumé. Et là, je mets des éléments du cours. Et je fais un résumé à chaque cours de chaque matière. Et du coup, ça me permet de lire régulièrement. Parce que moi, je sais que j'aime pas du tout avoir 200 pages à relire. Enfin, moi, pour moi, c'est pas possible ça. Puis je trouve que le fait d'essayer de résumer mon cours, le jour même déjà, ça me permet d'améliorer mon cours. Et de faire des phrases plus claires. Enfin, d'essayer de mieux comprendre. Pour la moi du futur qui va devoir apprendre le cours. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je viens juste de finir mon petit résumé. J'avoue que c'est un peu bancal parce que j'ai pas trop compris certains principes du cours. Donc j'essaierai de regarder un peu mieux sur internet. Et là je pense que je vais me poser pour regarder une petite vidéo et après je me mettrai à travailler un peu plus. Vraiment moi c'est ça mon problème, c'est que je fais une heure de travail, une heure de pause. Bon, j'ai fini ma pause, maintenant je pense que je vais aller apprendre mes cours. Je vais vous montrer ce que je fais. En gros, moi pour apprendre mes cours, je relis le cours plusieurs fois. Je prends des notes avec une ardoise à côté. Genre je fais une lecture active du cours. Après, plus tard, je marche dans mon appartement et j'essaie de me remémorer les trucs, etc. Je trouve que ça aide vachement à retenir de faire ça. J'ai plein de méthodes après, mais je sais qu'il y a aussi plein de méthodes sur TikTok, etc. Donc je vais pas vous partager toutes mes méthodes parce que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur TikTok et sur Insta. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fini de relire tous mes cours, enfin plutôt tous mes résumés, ça m'a pris environ 45 minutes. C'est vraiment pas long je trouve, ça m'évite de relire le cours à chaque fois, genre là j'ai vraiment qu'à lire le résumé. En soi bon, il me manquera forcément des parties du cours etc, mais j'ai vraiment la globalité du cours. Et là je vous confirme que cette méthode de marcher et de lire du coup le cours à voix haute en même temps, ça marche vraiment bien parce que j'ai vraiment retenu plein de trucs. Là je me démaquille, après je vais aller me doucher, je vais me laver les cheveux, me faire des gommages, des masques, tout ce que vous voulez. Et après je ferai un peu de montage sur ce vlog. Je suis trop contente d'ailleurs parce que sur ce vlog, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de moments où je parle alors que d'habitude il n'y en a pas autant, j'ai l'impression. Parce que tout simplement je n'ai pas de cesse stockage, alors que là vraiment ça marche très bien, je sais pas pourquoi. Mais ah oui, mais attendez, j'ai oublié, il faut aussi que je poste une photo sur mon Insta, parce que cette semaine je vous ai dit que je postais une photo par jour sur mon Insta. J'ai grave créé un feed et tout sur une application, trop bien d'ailleurs, je vous la remettrai si je retrouve le nom. J'ai plein de photos à poster, genre toutes mes photos de vacances en Espagne etc, je dois les poster. D'ailleurs je suis hyper active en ce moment sur Insta, vraiment j'adore. Autant je suis plus très active sur TikTok, mais sur Insta je suis hyper active, je fais des stories tous les jours dans lesquelles je vous montre les cours que j'ai refait tout mon Insta et tout. J'y vais faire pas mal de réel aussi sur Insta, donc venez me suivre si ça vous intéresse. J'arrête de parler et je vais aller me doucher. Je suis en train de faire le montage du vlog. En vrai j'ai pas mal avancé, je vais aussi faire mon gua sha après parce...
enfin plu à Clermont, ça fait vraiment trop du bien, ça permet que la température baisse. Là il fait 17 degrés, dites-vous, il y a deux jours il faisait encore 31 à 20h. Je me prépare pour aller à la fac, là j'ai cours à 10h. On va faire un get ready with me. Là j'ai mis de la crème solaire, je mets celle-là en ce moment. Hier soir j'ai fait le montage du vlog et franchement je suis un peu déçue, enfin je sais pas comment dire. Je le trouvais hyper inintéressant, après j'avais dit que c'est un vlog où je ferais de la méthode etc, donc c'est un peu normal aussi. Après je mets la crème aussi, c'est crème de chez Elf, je l'ai achetée grâce à Mathilde. Et en vrai elle est bien je trouve, après je pense que j'ai pas du tout pris ma teinte parce qu'elle est un peu trop claire. J'ai pris la teinte la plus claire il me semble. Aussi là c'est trop clair parce que du coup j'ai un peu bronzé. Je pense que du coup je vais faire un montage assez dynamique pour un peu combler enfin le fait que du coup la vidéo elle soit forcément hyper intéressante. J'ai peut-être aussi rajouté une partie de vidéo que je prendrai jeudi. J'ai une soirée étudiante donc ce sera peut-être plus cool. Je vais mettre un blush qui vient de chez L'Oréal, je l'ai vraiment depuis 10 ans. Fallait aussi que je m'achète un blush. Pour mon anniversaire j'avais aussi demandé un blush Rare Beauty, genre je voulais la teinte Hope ou la teinte Happy. Je crois que c'est ça, ou Joy, non c'était Happy je crois. Il était en rupture de stock partout à Paris, du coup bah je l'ai pas. J'ai la flemme de le commander donc je crois que je vais rester sans blush. Enfin si du coup avec ce blush qui date vraiment d'après-guerre. On dirait que je suis hyper monotone, pas du tout, vraiment faut juste que je me réveille. Pour le mascara du coup, ma mère m'a fait découvrir le télescopique de chez L'Oréal et vraiment il est bien. Je le mets avec ce mascara de chez Nocibé. Pareil lui il était trop bien mais il est quasiment fini, c'est un mascara, je l'ai pris en marron. Je vais juste fixer le maquillage et ça sera bon. Ce matin de 10h à midi j'ai cours de RGO donc régime général des obligations. Après j'ai une pause à midi, je me suis fait une lunchbox d'ailleurs, j'ai fait du taboulé avec des œufs durs. Je sais pas si ça va être très bon, c'est pas grave. Et après, cet après-midi, je fais 13h-16h. Je crois que j'ai genre droit à commande à société ou un truc comme ça. Ah non, je crois que j'ai droit du travail. Bon, je sais plus. Bon, ce sera la surprise, écoutez. Attendez, au final, du coup, j'ai envie de rajouter un petit truc. Je vais mettre de... Comment ça s'appelle? Je suis vraiment trop nulle en maquillage. J'en mets jamais, mais en ce moment, j'aime bien en mettre, je sais pas. C'est comme le gloss. J'adore en mettre, mais c'est hyper chiant parce que ça part au bout de 5 minutes. On se retrouve un peu plus tard, là il est 18h, j'ai fini les cours à 16h et entre temps je suis allée me doucher, j'ai fait un peu de skincare et j'ai repris un de mes cours, j'ai fait le résumé et tout mais il me manque un encore parce que le cours que j'ai repris vraiment on a noté genre 6-7 pages aujourd'hui, c'est un truc énorme donc ça m'a pris presque une heure à reprendre. Là il me restera juste le RGO à reprendre, sachant que je suis en train de réaliser qu'il faut que je reprenne assez vite parce que demain soir j'ai la soirée. Et après, bah, je rentre chez moi et je sens que vendredi matin, je vais pas du tout être efficace, sachant que j'ai cours. Après, je vais être fatiguée, je pense. Donc, il va falloir que j'essaie de reprendre ça pour pas prendre déjà du retard. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'est mis à faire frais. Genre, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans la météo, mais ça fait 2 semaines qu'on a hyper chaud et maintenant il fait frais. Mais vraiment, je préfère qu'il fasse frais là parce que j'en pouvais plus d'avoir chaud. Attendez, faut que je vous montre. Je vous ai montré la crème que j'avais achetée. J'ai acheté cette crème quand j'étais à Paris. C'est contre les taches d'acné. Et franchement, elle a hyper bien marché les 3-4 premiers jours. Et là, j'ai l'impression qu'elle a plus trop d'effet. Elle avait grave diminué les taches d'acné et là en fait elle revient un peu donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai absolument rien fait depuis tout à l'heure, j'ai juste allumé une bougie. Si, j'ai quand même posté sur Insta. Comme je vous ai expliqué hier, du coup je poste une fois par jour sur Insta pendant une semaine et là on est au 5e jour je crois. Et entre temps sur Insta j'ai reçu un message dans lequel on me demandait si j'avais eu ma 3e année parce que je n'avais pas vraiment donné de nouvelles sur TikTok et je voulais en parler justement par rapport à ça. En fait, j'aime pas vraiment parler de ce genre de choses en général, sauf que je me dis que ça peut concerner d'autres gens. Ces derniers temps, comme certains ont peut-être pu voir, je sais pas, j'ai pas vraiment passé sur TikTok parce que ça allait pas. J'ai préféré faire une pause des réseaux sociaux, j'y allais peut-être 10 minutes par jour. Là, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, cette période, ça m'a un peu permis de voir qui étaient mes vrais amis, qui étaient là quand ça n'allait pas. Et le fait de faire une pause de TikTok, de faire une pause des réseaux sociaux en général, je trouve que c'est hyper bénéfique parce que ça m'a permis de me rapprocher du coup des gens qui étaient là pour le coup, de faire plus de choses, de prendre plus genre le temps, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de me rapprocher de certains trucs, de certaines de mes croyances, etc. De prendre le temps en fait de faire des choses. Et pour ceux qui sont dans une phase où ça va pas forcément dans leur vie, je vous conseille vraiment de faire ça, de couper un peu les réseaux sociaux, même si des fois ça peut être vu comme une échappatoire, mais je vous jure que des fois ça fait du bien juste de couper. Après moi je dis ça, mais j'ai aussi eu de la chance entre guillemets.
dans le sens où on a eu Junior cet été et ça m'a vraiment permis de lâcher les réseaux sociaux pour passer du temps avec lui, parce que je sais pas trop si on s'en rend compte à travers mes vidéos, mais je passe énormément de temps avec lui, à jouer avec lui, à lui apprendre des trucs, etc. Parce que ça me fait du bien en fait de jouer avec lui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai là on dirait que je suis déprimée, pas du tout, ça va beaucoup mieux, mais justement grâce à ça, grâce au fait d'avoir coupé les réseaux sociaux, d'arrêter de regarder des trucs qui peuvent vous faire du mal. J'aime pas trop parler de ça d'habitude, mais je me dis il y a forcément des gens qui sont dans la même situation maintenant que dans celle où moi j'étais il y a quelques mois. Je vais pas plus m'étaler. Non, attends, c'est pas m'étaler. Bon, bref, je vais pas plus parler de ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même si vous allez bien, etc., prenez du temps pour déconnecter des réseaux sociaux. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre un timer sur TikTok. Genre, je mets même pas une heure par jour. Et après, j'arrête. En vrai, il y a des fois où je tiens pas. Mais je me dis, en fait, ça me prend tellement de temps alors que j'aurais le temps de faire tellement de choses. Genre, je pourrais voir mes amis, je pourrais profiter. Je sais pas trop si c'est clair ce que je voulais dire. Et moi ce que j'ai fait aussi quand ça allait pas forcément, c'est que j'ai beaucoup, bah du coup j'ai un peu arrêté les réseaux etc. Et j'ai aussi beaucoup écrit, beaucoup genre écouté de musique, beaucoup fait de sport aussi. J'allais courir quasiment tous les jours. Là je vais courir que deux fois par semaine maintenant. Et je vous jure que ça fait du bien. Même si par exemple vous n'avez pas beaucoup d'amis, parce que moi en soi j'ai pas beaucoup d'amis, je vous ai pas forcément obligé de voir vos amis, ou si vous êtes casanier, juste vous prenez du temps pour vous, genre vous prenez un livre, vous lisez, et je vous jure que ça change les idées, genre ça évite d'être là à scroller sur TikTok, à scroller sur Instagram, et genre à voir la vie des gens.